Tu cherches les crédits les moins chers et les plus safe, alors je te conseille d'aller sur IG Vote. Tous les liens et réductions sont dans la description. T'en as marre de faire du 6-24 en fut de champion? Contrôlez le receveur! Alors check Level Up, les boissons énergisantes des gamers qui vont te permettre de focus. Tous les liens et réductions sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi, ça va très très bien, les gars. Et aujourd'hui, vidéo World Record Draft. Et vous allez voir dans cette vidéo, comment vous dire, des choses exceptionnelles. Et oui, alors où je vous parle, on est le 25 août. Mais comment vous dire, on a eu une draft incroyable. Déjà, j'ai battu mon record. La draft, c'était juste incroyable. Mais surtout les récompenses, les gars, comment vous dire, peu importe la date hein, où on est, mais c'est insane. En gros, on a eu l'icône et on a eu un pack avec 3 cartes spéciales juste incroyables. Vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Du coup, j'ai fait une première tentative de draft. Ça s'est avéré être un échec, j'ai eu 191. J'ai oublié de record, mais j'ai fait le gameplay. Donc sûrement, je vais vous mettre un petit peu de gameplay et surtout les récompenses parce que c'est là que j'ai eu l'icône. Et lors de la deuxième tentative, c'est là que j'ai eu mon record de draft. Et les récompenses, j'ai joué, hein, les drafts évidemment, ont été juste exceptionnels. Bref, je te laisse avec la vidéo en te souhaitant un bon visionnage. N'oublie pas le petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça m'aide beaucoup. Et je vous remercie encore pour votre soutien. Ciao les gars. Allez, let's go, on gagne la draft 191, et oui, c'est dommage, hein. En vrai, elle était belle, hein. Vous n'avez pas vu la construction de celle-ci, parce que j'ai oublié de rec, mais ouais, c'était une très très belle draft, du coup, je l'ai joué, voilà, comme chaque draft, hein, limite, qu'on a fait depuis ces épisodes de record du monde de draft. Du coup, on a quoi comme pack, les gars? On va avoir du double pack aura et un pack premium or. C'est nul à chier, les gars. Allez, Chakir dans le premier pack. Pas là, là, le deuxième pack, malheureusement, ça sera Ozzy. Bon, ok, c'est quand même du 82. Allez, dernier pack, let's go. Oh, c'est une icône, let's go. Français, DC. Oh, incroyable. C'est une moment, non, dommage. Let's go, c'est quand même une icône, les gars. Et oui,
Lolo White, putain, il pourrait donner la moment quand même. Et il doit rien valoir. Mais on a quand même packé une icône dans des packs de draft. Et oui, mon gars. Ah, ça fait plaisir en vrai. Hein. Bon, après, je vous disais, hein, il doit rien coûter. Hein. Ah ouais, laisse tomber, il vaut 100K. Mais bon, dans tous les cas, ce qu'il y a de cool, c'est comment on va pouvoir le vendre et on pourra faire d'autres drafts, tu vois. Allez, on est parti pour la deuxième tentative, les gars, après avoir gagné la draft précédente. Et oui, malheureusement, vous n'avez pas vu la construction de celle-ci. Parce que comme je disais au début, à la fin, pardon, des matchs, eh bien, bah ouais, j'ai oublié d'enregistrer, quoi. Du coup, bon, en vrai, c'est pas grave, hein, la draft, c'était qu'une 191. Du coup, là, tout est bon, on enregistre et on va prendre le 4-2-2-2, les gars. Allez, c'est maintenant qu'il faut nous faire rêver. Ah ouais, qu'est-ce qu'on fait, les gars? J'ai envie de prendre Ronaldo, quand même, parce que c'est une icône, ça va nous aider pour le collectif. Et en vrai, deux points de note, c'est pas ce qui va changer beaucoup, je pense. Du coup, on va prendre R9. Et dites-vous, les gars, c'est une des premières fois que je vais le tester cette année. À ses côtés, mais non. What the fuck? Regardez l'attaque, les gars. Regardez-moi cette attaque. Est-ce qu'on serait pas très, très bien parti? Oh mon dieu! Aïe, 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 Bruno! Oh là là, c'est quoi ce début de draft, les gars? Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Allez, en MDC, mais non. Oh, on prend direct la note. Casemiro, en plus, on a un lien. On inversera MOC, MOC. Mais ça commence de ouf, les gars. Sur les chapeaux de roue, comme on dit. Allez, Ziyech. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser. Comme ça, là, on est gagnant, tu vois. Franchement, ça commence bien. Allez, maintenant, il faut continuer. On va faire dans l'ordre. Pas de chichi. On va bien voir. Bon, on a un petit Pogba qui est quand même pas mal noté. Allez, défenseur droit. Ok, Cancelo, c'est très, très bien. Voilà, on va la jouer à fond. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas réellement le choix. Okage, Ederson, c'est pas mal. Pour l'instant, on est à 92 de notes et 80 de collectif. Là, il faudrait qu'on ait du très, très lourd sur la réserve et sur le banc. Allez, c'est parti. Oh, c'est bien ça. C'est très, très bien. Hernandez, on va directement le mettre. Ok. Pourquoi pas avoir un petit français en défense? On a du Wijnaldum et du Kanté. Est-ce qu'on prendrait pas Kanté, les gars, pour mettre DC? Ouais, je crois que je vais faire ça. On va pas être trop con non plus, les gars. Bon, certes, c'est pas son poste, mais regardez. 93 de notes, 91 de collectif. C'est ma meilleure draft pour l'instant. Pas là, là, allez. Allez, please, please, please. Oh, c'est pas mal. Oh là 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 là, la note incroyable pour accompagner nos joueurs. Hazard, évidemment qu'on le prend. Ça nous maintient en vie. Et très largement même. Allez, faudrait remplacer ce... Mais on est où, les gars? Allez, ça va être trop. On va la choke, la draft, c'est obligé. Si je la joue, on va perdre. Alors que je les ai toutes gagnées. Toutes celles que j'ai faites, je les ai gagnées. On est à 94. Est-ce qu'on va le faire, les gars? Est-ce qu'on va le faire? Ah, c'est bien parti. Hein. C'est très, très bien parti. Allez, on va faire au milieu. On va essayer comme ça. Eh ben c'est pas mal, les gars. 92 Carrasco. Ok, on reste à 94. Oh, c'est pas mal. Encore une fois, deux pôles, les gars. On n'a pas eu de joueur éclaté. Bon, ça redescend un peu, mais je pense qu'il y a moyen d'équilibrer. Ah, merde. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, de toute façon, ça, c'est obligé. Hein. C'est obligé. On va pas râler. C'est obligé. On est obligé de passer par là. Allez, on continue. Oui, Di Maria. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On va bien sûr le prendre. Allez, on continue. Oh là là, Karim Benzema. Allez, dernier choix de cette draft. On va avoir un gardien éclaté. Est-ce que ça va le faire, les gars? Ça va être compliqué. On va essayer de tout faire pour. Bon, les gars, on est à 99 de collectif. Si je change Théo par Télès, on gagne 1. Bah, en vrai, ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas, les gars. Let's go. Hein. Franchement, on a une draft de folie. On n'était pas loin. Hein. On aurait pu... on aurait pu faire 94, là. C'est vraiment pas passé loin. C'est pas passé loin du tout, les gars. Cela, je suis en train d'essayer de changer les joueurs, donc je pense pas que ça change grand-chose. Eh ben, on la tient, notre énorme draft. Notre plus grosse draft cette année, voilà. Elle est quand même énorme. Hein. Franchement, l'attaque, c'est exceptionnel. Oh là là, let's go. Putain, il est trop fort R9. Hein. Je l'ai jamais testé, les gars. C'est la première fois que je teste. Oh, let's go. Et oui.
2-0 les gars, le but est beau en plus, hein. Le but est magnifique. Oh là là, le petit lob! Oh là là, quel dommage! Let's go, putain, il est pas mauvais le mec. Ouais, je transpire, gros. Je suis en train de transpirer parce que, ouais, il joue vraiment très bien par rapport au mec d'avant, tu vois. Ah oui, bien vu ça. Ah là 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 là, non mais c'est terrible. C'est terrible, R9, putain. Non, oui, c'est mérité. Ah, franchement, il mérite de le prendre. Allez, demi-finale remportée, les gars. Et le mec était vraiment pas mauvais, hein. Franchement, il a fallu que je focus beaucoup plus que les autres matchs. J'ai mal joué, j'avais pas un bon angle et j'ai tiré là où il fallait pas. Je me suis dit, bon ben il arrache quitte, ouais. En vrai il a tenu et il quitte, c'est con. Enfin c'est con pour lui quoi, après moi ça me va, hein. Franchement ça me va parce que je vous dis j'étais pas à l'abri. En tout cas bien joué à lui, du coup finale remportée avec la draft à 193, voilà c'était le minimum. Voilà du coup j'espère qu'on va avoir de bonnes récompenses pour cette finale draft remportée. Bon on a un pack méga, un pack joueur premium or. Allez premier pack joueur premium or, on va avoir du Ruben Neves 82. Allez le pack méga du coup pour conclure, et oui let's go les gars, on a un truc, alors je sais pas ce que c'est, argentin, MOC. Oh, let's go les gars, Gomez 96, franchement ça fait plaisir, vendable, alors je pense que ça vaut plus grand chose vu qu'on est à la fin du jeu, mais voilà, franchement des récompenses de ouf. Première draft, Laurent Blanc en icône, et là Gomez 96, franchement, j'ai pas passé mon après-midi à jeu pour rien. Oh, et derrière, regardez-moi ça, le Thorgan Hazard en version évolutive. Les cartes FOF, franchement le pack est lourd, hein. Ben, ça fait plaisir les gars, on va récupérer quelques crédits, on pourra faire des SBC, des trucs comme ça. Bah ben, écoutez, c'était... Mais what the fuck? Mais c'est quoi ce délire les gars? Et il vaut encore un peu, hein. Il vaut 200k les gars, oh là là!
Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? C'est quoi ce pack exceptionnel? Allez, c'est trop, les gars. Bon, bah écoutez, les gars, la vidéo se termine bien. On aura réussi à faire notre meilleur draft et en plus de ça, la gagner et obtenir des récompenses de folie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tiens à vous remercier, les gars, pour votre fidélité. Même en cette fin de FIFA 21, les deux dernières vidéos ont juste cartonné. Elles ont fait plus de 100 000 vues à L2 et ça, ça me fait vraiment plaisir. Je tiens aussi, les gars, à vous dire que j'ai mis une vidéo sur la chaîne secondaire. Ça serait super sympa si vous alliez la voir et me mettre un petit pouce bleu dessus. Voilà, pour le référencement, ça m'aiderait parce que j'ai envie de faire quelques vidéos sur cette chaîne. J'ai pas mal de boosters Pokémon, notamment, à ouvrir et à faire d'autres jeux également dessus avant que FIFA 22 sorte. Donc, je compte sur vous pour y aller. Me mettre un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Bref, sur ce, les gars, je vais vous laisser en vous souhaitant du coup une bonne journée. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ciao, les gars.